Cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour pointer du doigt qui que ce soit ou un hébergement ou quoi que ce soit. Je ne donnerai pas de nom, de toute façon, ce n'est pas la peine. Mais c'est pour vous partager mon ressenti personnel en tant que non-catholique sur le chemin de Compostelle. Salut les vagabonds! Je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, dans cette petite vidéo. Je suis ravie, en fait, j'ai installé ma caméra et tout, je me suis mise en place pour pouvoir vous parler ce matin, enfin ce soir pour vous, parce qu'il sera sûrement 17h lorsque vous regardez cette vidéo. Et j'étais toute contente à l'idée de vous faire une petite vidéo sur le sujet du chemin de Compostelle, comme on en a l'habitude sur cette chaîne. En fait, en ces temps un petit peu particuliers où on ne peut pas partir marcher sur les chemins, et ben ça m'aide en fait à garder le lien avec le chemin de Compostelle, de faire ces petites vidéos, à continuer de partager avec vous sur ce sujet et voilà, de pouvoir toujours garder un peu cet enthousiasme et cette volonté de partir sur les chemins et de continuer à se préparer et d'échanger sur d'autres sujets, d'autres idées à propos de ce chemin qui m'a beaucoup marqué. Si vous débarquez sur ma chaîne YouTube et que vous n'avez encore aucune idée de qui je suis, ce que je fais ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet du chemin de Compostelle. J'ai fait aussi des petits vlogs en chemin. Donc voilà, si vous voulez aller voir, ça va s'afficher ici. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un sujet, comme vous avez sûrement dû le voir déjà dans le titre, qui est la religion sur le chemin de Compostelle. Quelle est l'importance aujourd'hui de la religion sur le chemin de Compostelle? Faut-il être croyant pour faire Compostelle? Est-ce qu'on peut tout de même dormir dans des hébergements religieux, même si nous ne sommes pas chrétiens ou catholiques? Et puis, quelles sont les choses à savoir pour ne pas commettre d'impair sur le chemin? Tout ça, ce sont beaucoup de questionnements que je me suis moi-même posé parce que je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas été élevée dans cette religion-là. Et donc, forcément, je me suis posé beaucoup de questions quant à ma légitimité pour faire ce chemin, quelle était ma place. Et aussi, c'est vrai que sur le chemin, à quelques reprises, je ne me suis pas forcément sentie à l'aise à certains moments. Avant de commencer, je vais faire un tout petit point parce que je vais marcher un peu sur des œufs en faisant cette vidéo. Je ne veux absolument offenser personne, je ne veux pas faire créer de débat ou de polémique avec cette vidéo. Je vais essayer de dire des choses vraiment plus pour informer et qui sont donc tirés de mon expérience personnelle et non pas pour créer du débat en fait, encore une fois. Donc je vous prie de m'excuser si je dis des choses qui peuvent venir vous toucher négativement, je m'en excuse par avance. Ceci étant dit, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet et on va commencer par quelle est l'importance de la religion aujourd'hui sur le chemin. Alors c'est une question qui justement peut susciter un peu le débat parce qu'il y a des gens qui vont clairement dire que sur le Camino Francés, c'est notamment le Camino Francés en général duquel on parle quand on dit ça, il y a des gens qui annoncent complètement la mort de la spiritualité sur le chemin. Alors, je ne sais pas quoi en penser. C'est vrai, par contre, que le Camino Francés aujourd'hui est un lieu au vu de très nombreux pèlerins qui le fréquentent. C'est devenu un peu un endroit touristique, je dirais. Et c'est vrai que ce phénomène de foule a apporté beaucoup de commerçants, a apporté beaucoup d'hébergements un peu aseptisés, des boutiques un peu attrape-pèlerins. Enfin voilà, c'est vrai que ça a créé un espèce d'effet de masse qui n'est pas forcément très proche de la religion. Mais n'empêche que je pense que le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle reste parmi les grands pèlerinages catholiques, avec Jérusalem et Rome. Et que malgré tout, il y a des édifices religieux exceptionnels sur ce chemin. Il y a des endroits vraiment puissants, je pense, en termes d'énergie spirituelle. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment dire la mort de la spiritualité sur le chemin. Même si il est vrai que on peut très bien faire le chemin de Compostelle en entier sans jamais rentrer dans un seul édifice religieux. Personnellement, je trouverais ça dommage quand même de faire l'intégralité du chemin de Compostelle sans au moins avoir une forme d'intérêt au minimum pour l'histoire en fait, l'histoire religieuse qu'il y a sur ce chemin. Il y a quand même un fort héritage spirituel qui est là. En tout cas, même si moi j'étais quand même dans une démarche un petit peu spirituelle, j'aurais trouvé ça dommage d'un point de vue vraiment juste historique de pas du tout prêter attention à tout ça. Et donc personnellement, en tant que non-catholique, j'ai eu envie de participer à certaines cérémonies religieuses, de dormir dans des hébergements religieux, de rentrer dans beaucoup d'édifices évidemment, et ça n'a posé aucun problème, voilà, à savoir que c'est pas du tout un souci et le fait de ne pas être de confession catholique ne m'a absolument pas été reproché à aucun moment. Il appartient vraiment à chacun de faire son chemin dans la foi chrétienne ou non. On peut choisir de marcher en récitant des prières, on peut choisir d'assister aux offices, on peut choisir de dormir dans des lieux religieux ou non. C'est vraiment à chacun son chemin, je le répète, pour moi c'est vraiment un chemin ouvert et c'est ça qui
qui est beau, en fait, c'est cette diversité qui nous permet de se retrouver tous les uns et les autres ici sur ce chemin. Et je pense que c'est important que même des gens qui ne sont pas forcément de confession catholique ou de confession chrétienne même, puissent marcher sur ce chemin dans une démarche spirituelle, en tout cas, qui est la leur. Après, voilà. C'est mon avis, évidemment. Ensuite, peut-on accéder à des hébergements religieux même si nous ne sommes pas chrétiens? La réponse est oui. Moi-même, j'ai dormi dans plusieurs hébergements qui étaient donc religieux catholiques et on ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, déjà. Hein, c'est rare qu'on vous pose des questions sur votre foi. Et puis, même si je n'étais pas baptisée, en fait, je n'ai absolument rien eu à prouver quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci, tant que, évidemment, vous respectez le lieu. Personnellement, donc, comme je vous le disais, je suis quand même partie dans une démarche spirituelle et ça me tenait à cœur de pouvoir quand même dormir dans certains lieux, par exemple à Conques notamment. Ça m'aurait fait bizarre de dormir dans un gîte communal alors qu'il y a ce fameux accueil des frères Prémontrés qui est en plus un accueil génialissime. À côté de l'abbaye Sainte-Foy. Voilà, c'est ce genre de choses qui m'aurait paru bizarre de pas faire. Pareil pour les cérémonies religieuses, moi je me voyais pas partir du Puy-en-Velay sans au moins assister à la bénédiction des pèlerins au départ du Puy-en-Velay. J'ai évidemment assisté à la messe du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. En plus, j'ai eu la grande chance que le Botafumeiro soit mis en action lors de la cérémonie, donc franchement, pour moi, ça me paraît un peu insensé de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et de ne pas au moins aller dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Après, c'est mon avis. Si vous faites ce chemin sans vouloir faire ça, il n'y a aucun problème, personne ne vous le reprochera et c'est libre à vous. Après, c'est vrai que j'ai quand même un petit peu moins assisté à des cérémonies religieuses en Espagne parce que je ne connaissais moins. En fait, étonnamment, j'ai trouvé que les rituels, enfin les pratiques, n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans l'église française. Donc, j'étais un peu perdue à des moments et du coup, je me sentais pas forcément à l'aise. En plus, je comprenais pas en espagnol. Donc, j'ai préféré pas forcément assister souvent en Espagne à des messes. Mais voilà, c'est personnel et encore une fois, c'est propre à moi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vous demande rien, même dans les accueils religieux. Après, c'est toujours une bonne idée quand même de discuter un petit peu avec les gens qui vous hébergent, qui vous accueillent, les hospitaliers, pour savoir un petit peu tâter le terrain, savoir comment ils se sentent vis-à-vis d'avoir un pèlerin qui n'est pas du tout catholique, pas du tout religieux, parce que c'est vrai quand même qu'il y a des endroits où il y a une forte volonté qu'on assiste aux différents moments de la prière, à des moments comme ça, et si on se sent pas personnellement à l'aise avec ça, il vaut peut-être mieux pas dormir dans ces hébergements. Il m'est arrivé seulement deux petites fois, mais vraiment uniquement deux petites fois, de me sentir pas du tout à l'aise dans un lieu religieux, dans un accueil pour pèlerins religieux. C'est deux petites fois parmi tant d'autres, donc vraiment, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Je ne donnerai pas de nom, de toute façon, de lieu et tout ça, parce que je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Mais c'est vrai que je ne me suis pas forcément sentie à l'aise dans l'accueil et dans le fait que moi, je ne savais pas forcément certaines pratiques, je ne connais pas certaines pratiques, et que du coup, je ne fais pas quand je ne sais pas. Je préfère pas faire que mal faire. On en reviendra quand je vous parlerai un petit peu des impairs à ne pas commettre. Mais du coup, je me suis pas sentie à l'aise et voilà. Je pense que j'aurais discuté un petit peu avant de rentrer dans l'hébergement avec l'hospitalier. Ben peut-être que j'aurais tout de suite compris et que je ne serais pas restée là. Une deuxième fois où ça m'est arrivé, c'est de ne pas forcément me sentir à l'aise en discutant justement avec les hospitaliers bénévoles, et bien tout simplement, j'ai décidé de ne pas y dormir, de ne pas y rester à dormir. De toute façon, j'avais pas encore demandé pour rester à dormir. Je suis arrivée et puis on avait déjà une discussion autour de la foi, de la religion, et personnellement je me suis pas sentie à ma place d'être ici. Cette histoire, je l'ai déjà racontée dans une vidéo, en fait je vous avais fait une vidéo d'une journée entière sur le chemin, un petit vlog où j'étais sur le Camino Frances. Cette vidéo va s'afficher juste ici si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez aller la voir. Et voilà, c'est vers la fin de la vidéo, j'explique cette histoire. Lorsque je cherchais donc un hébergement, je suis tombée sur cet hébergement là en Donativo, et voilà, donc j'explique un petit peu tout ça dans cette vidéo. Bref, on ne vous demande rien si vous voulez quand même dormir dans les hébergements religieux, et puis si vous ne voulez pas, et bien libre à vous. Et donc je vais faire la transition vers quels sont les impairs à ne pas commettre lorsqu'on n'est pas catholique et qu'on ne connaît pas forcément les pratiques. Alors il y en a sûrement beaucoup, des impairs, mais moi je sais que j'ai appris beaucoup à me déculpabiliser personnellement, parce que lorsque j'étais jeune, que j'assistais à des cérémonies religieuses et que j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, je me sentais vraiment mal.
Et puis aujourd'hui, j'ai appris que je préfère ne pas faire du tout. Voilà, quand je ne sais pas, eh ben, je ne fais pas. Et puis parce que moi, je ne mets pas l'intention derrière tout ça, donc je vois, enfin, je trouverais ça hypocrite de ma part, en fait, d'essayer de faire quelque chose en lequel je ne crois pas. Et je pense qu'il vaut mieux assister à la cérémonie si on veut, mais par exemple, je ne communie jamais. En fait, je ne le fais plus parce que je l'ai fait quand j'étais jeune, parce que j'avais l'impression qu'il fallait faire, parce que tout le monde se lève et tout le monde va communier. Et en l'occurrence, je ne suis pas baptisée, donc il faut faire un signe de croix lorsqu'on va se faire communier. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, d'abord, je ne le fais plus parce que je ne comprends pas forcément le sens de cette pratique, parce que comme je vous le dis, hein, je ne suis vraiment pas initiée à la religion catholique. Et moi, il y a plein de choses qui sont obscures un petit peu pour moi, que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Et donc, je préfère ne pas faire. Pareil, je ne fais pas de signe de croix à l'entrée d'une église, parce que bah, je ne suis pas catholique déjà, donc je ne sais même pas si j'ai le droit de faire un signe de croix en tant que non-catholique. Et voilà, c'est une pratique que je ne comprends pas, enfin que je ne connais pas. Peut-être que je ne devrais pas dire tout ça dans cette vidéo, hein, que les chrétiens vont me dire que c'est pas bien dans les commentaires. Je ne sais pas du tout, je ne veux pas encore une fois créer de polémique. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux ne pas faire que mal faire déjà. Et puis, ne pas faire de manière hypocrite. En fait, je peux prétendre, hein, je pourrais faire des signes de croix, je peux prétendre que je vais communier sans rien dire et que je ne suis pas baptisée, que personne ne le sait. Et que... Mais je trouverais ça, voilà, je trouverais ça hypocrite. Et donc, mon conseil, si vous n'êtes pas catholique, pas chrétien et que vous partez sur Compostelle, ne faites pas quand vous ne vous sentez pas à l'aise. Après, il y a des prières que je connais, des prières catholiques que je connais, que je vais réciter parce que moi, je mets une intention derrière ces prières-là et que je les comprends et que je suis, voilà, je suis en phase avec ça. Les chants ou les prières que je ne connais pas, je ne vais pas les réciter, par exemple. Enfin bref, ça me paraît être du bon sens, mais c'est vrai que des fois, quand on est pris dans l'action, quand on est pris dans une cérémonie, on ne sait pas trop s'il faut, s'il ne faut pas. Enfin voilà, quand on n'est pas initié à la religion et aux pratiques de cette religion, aux rituels, c'est pas toujours évident. Après, quand même, deux, trois petites choses par rapport à la tenue vestimentaire. C'est vrai que dans les églises, normalement, au minimum, on ne met pas un grand décolleté, on a les épaules couvertes, on ne met pas des jupes ou des shorts très très courts. Il faut quand même un peu se cacher le corps un minimum. Je sais que bon, après il y avait aussi se couvrir la tête pour les femmes ou se découvrir pour les hommes, mais ça je crois que c'est plus autant pratiqué, j'ai l'impression. Après j'en sais rien, peut-être que vous me reprendrez encore une fois dans les commentaires. Mais au moins se couvrir un minimum, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu une exception sur le chemin de Compostelle parce qu'on est des pèlerins, qu'on marche des fois toute la journée sous un soleil de plomb. Que du coup on n'est pas forcément dans des tenues correctes, mais qu'on peut quand même rentrer dans les églises. En tout cas moi, on m'a jamais rien dit. En fait, bon, j'étais toujours en t-shirt. Ah non, ça m'est arrivé peut-être aussi d'être en débardeur, je dois avouer. Et bah, j'avais un short quand je marchais en Espagne. En tout cas, j'avais un short et je suis quand même rentrée dans les églises en short. Et en tout cas, on ne m'a jamais rien dit. L'autre chose, c'est avec le sac à dos et les bâtons de marche. Moi, au début, j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'église avec tout mon barda. Comme ça, j'avais l'impression d'être un peu trop imposante. Et donc, au tout début, dans les petits villages en France, dans les petites églises, je posais mon sac à dos et mes bâtons à l'entrée de l'église. Et puis, je rentrais dedans et puis j'allais faire ma prière. Mais en chemin, on m'a raconté une petite histoire, géniale histoire, qu'il y a des pèlerins qui avaient déjà fait ça une fois et qui étaient ressortis de l'église et qui avaient plus vu leur sac à dos, qui s'était fait voler leur sac à dos en entier. Donc ça m'a un petit peu fait peur. Du coup, je vous avoue que maintenant, après avoir appris ça, j'entrais toujours dans les églises avec mon sac et mes bâtons. Soit je le posais dans l'entrée de l'église, et sinon dans les grandes églises, les cathédrales, je prenais mon sac et je le posais à côté de moi, à côté du banc sur lequel je m'asseyais. Cette histoire de sac à dos, je pense que ça pose aucun problème à rentrer dans une église avec un sac à dos et des bâtons. C'est juste moi personnellement, j'avais l'impression qu'il fallait quand même un peu pas rentrer avec tout ça. Enfin, un peu plus tu fais du bruit, tes bâtons, tes machins dans cet édifice qui est quand même un peu sacré. Donc voilà, vous avez un petit peu un aperçu de mon idée, de mon expérience vis-à-vis de ce sujet de la religion sur le chemin de Compostelle. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Voilà, comme je vous dis, je marche un peu sur des œufs, je veux pas trop dire des choses qui seraient mal interprétées, mal perçues en tout cas, parce que je pense qu'il y a des gens déjà qui considèrent que j'aurais peut-être rien à faire sur ce chemin en étant non chrétienne et non initiée. Mais voilà.
si je peux terminer cette vidéo quand même avec une petite conclusion, parce que j'ai vu un documentaire il n'y a pas si longtemps sur tout l'historique du chemin, et au final je me suis rendu compte qu'en fait, avant de devenir un pèlerinage chrétien, eh bien a priori il y avait déjà un chemin de pèlerinage païen qui menait non pas jusqu'aux reliques évidemment de Saint-Jacques le Majeur, mais jusqu'à l'océan, jusqu'à Fistera, d'où cette idée d'aller jusqu'à Fistera ensuite. Et donc il y aurait déjà eu ce tracé qui existait, ce chemin était déjà emprunté il y a des années et des années avant que la religion chrétienne n'arrive en Espagne. Donc quelque part je me dis que oui, il y a bel et bien une énergie spirituelle importante sur ce chemin, il y a forcément une histoire, un historique vraiment très, très fort, très riche sur ce chemin, et qui n'est pas forcément lié uniquement à la religion chrétienne, bien que, évidemment, forcément, il y a quand même un lourd historique chrétien. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air sur cette vidéo, ça m'encourage toujours un petit peu plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, il y a un petit bouton rouge, il faut cliquer dessus, et puis après, il y a une petite cloche qui s'allume, vous pouvez cliquer. Ça vous permettra d'avoir des petites notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, à mardi prochain, 17h, comme d'habitude, sur cette chaîne. Et puis je vous fais plein plein de gros bisous. Salut !